Tu peux mettre à pleurer à tout moment. Non. Putain, c'est incroyable. C'est très saucisse comme histoire. Là, on est en train de voir les photos. Si vous nous suivez sur funradio.fr, vous pouvez les voir. Elle est quand même revenue avec un collier de fleurs et le teint allé. Alicia va nous raconter, mais juste avant, il faut savoir qu'elle habitait en Haute-Savoie en 2010. Okay. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez, ouais. Et qu'elle vivait avec son chat très très mignon. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors Alicia, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Tu vis dans la Sarthe hein, maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pendant ton déménagement, justement, tu as perdu Angie. C'est ça, j'ai donc déménagé en 2010, et au moment de mon déménagement, ma petite chatte que j'avais depuis 3 ans, qui m'avait été offerte par ma meilleure amie, n'était pas là, donc j'ai dû partir sans elle. Ah mince, oh, dur. Ouais, donc j'imagine que tu l'as cherché. Oui, je suis même revenue plusieurs fois vu que j'ai de la famille et des amis qui sont là-bas. Oh là là. Et pas de nouvelles. Mes amis aussi et ma sœur, on fait souvent des petits trajets à 2 Angies dans le village pour aller la chercher. On a passé des annonces. À l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, donc ouais. On est allé dans les vétérinaires poser les petits papiers, mettre les petites affiches, mais. Ouais. Et alors donc du coup tout ça se passe en 2010, nous sommes en 2021 et raconte-nous Alicia, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? En 2021 je suis à la plage, donc j'ai avancé dans ma vie, j'ai eu des enfants, je me suis mariée sans mon chat du coup, et je suis à la plage avec mes enfants et je reçois un coup de fil, je vois plusieurs appels en absence sur mon téléphone avec des messages vocaux et j'entends un vétérinaire de la clinique de Seyssel qui a retrouvé une vieille chatte de 14 ans dans un sale état et qui est pucée et qui s'avère être mon Angie, du coup. Waouh, c'est ouf. Donc, ouais. Donc, elle a retrouvé son chat 11 ans plus tard. Ouais. Je peux mettre à pleurer à tout moment, non. Putain, c'est incroyable. C'est très saucisse comme histoire. Là, on est en train de voir les photos. Si vous nous suivez sur funradio.fr, vous pouvez les voir. Elle est quand même revenue avec un collier de fleurs et le teint allé. Non mais attends, elle était parce qu'elle était pucée dès le départ. Dès le départ, elle était identifiée à ton nom. Ouais, elle a été identifiée. Je l'avais déclarée perdue. Putain, c'est magnifique. Bah, ce qui est merveilleux, c'est que elle s'est présentée sur une terrasse dans le village où j'habitais, ouais, en Haute-Savoie. Et les gens l'ont trouvée dans un état vraiment lamentable. Ils ont pris la peine de la mettre dans une cage, d'appeler un vétérinaire, 2 vétérinaires, la SPA, tout le monde refusait de la voir. Ouais. Et voilà, au bout d'un moment, il y a enfin un vétérinaire qui a accepté de la prendre, un dimanche, jour de fête des mères en plus. Donc, ouais. Et comme ça, il a pu vérifier son identification et du coup me retrouver pour que je puisse venir la chercher. Donc Angie, Alicia, elle a écouté que son cœur, elle a pris sa voiture, elle a laissé ses mômes à la plage. Je répondais plus de rien, j'ai laissé mon mari et donc, les enfants. Et donc maintenant, on recherche des enfants sur la plage. Ils sont pucés. Non, c'est super beau comme histoire, Alicia, et on voit que t'es encore super émue par tout ça, alors que, à mon avis, il y a 1,5 milliard de personnes, dont nous, qui te demandent de répéter encore cette histoire, ce qui n'est pas forcément le truc le plus agréable à faire. Donc vraiment, merci du fond du cœur de l'avoir partagé avec nous. De rien. Merci et des câlins, Angie. Et Angie va bien? Ça va, c'est une mémé chat maintenant. Ouais. C'est plus dynamique comme avant, mais ça va. Dans l'ensemble, elle se rétablit bien. Quand elle est partie, elle avait fugué, mais avec un réchaud. Elle a réussi à survivre pendant 11 ans. En tout cas, cette histoire, elle est magnifique. Merci beaucoup de l'avoir participé, d'avoir partagé avec nous, Alicia. Et longue vie à Angie, à toi et à toute la famille et à tout le monde. Merci. Salut Alicia, bye bye. Moi, j'ai perdu mon charisme il y a 15 ans. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir un jour? Non, parce qu'il n'était pas pucé. 9h, 11h. Le Vache et Time. Sur Fun Radio.